Ben, je vais profiter du fait que c'était le bol d'or le week-end dernier à Mignicourt pour faire une parenthèse automobile et ouvrir une page moto. En vous présentant l'un des personnages les plus attachants, les plus sympathiques du monde de la course motocycliste, Christophe Guyot, le boss du GMT 94, champion du monde d'endurance, et qui, instituteur de formation, a voué sa vie à la moto et à la vie sociale. Il fait beaucoup de choses dans sa région et dans sa localité. Son portrait avec Philippe Hubert. 17 septembre 2005, bol d'or à Magny-Cours. Christophe Guyot, un homme atypique, qui a réussi à s'imposer dans le milieu de la compétition moto avec son team, le GMT 94, champion de France Superbike en 1998, champion du monde d'endurance en 2004, cet instituteur a toujours à cœur de donner leur chance aux jeunes. Quand je me suis occupé de classe de perfectionnement et que là j'étais confronté au problème de l'âge, les gamins ils avaient 12 ans, c'était trop tard pour intégrer le CM1, que maintenant qu'ils étaient là, c'était plus pouvoir revenir en arrière, que de toute façon c'était foutu pour toujours. Ça m'a révolté et donc c'est comme ça que c'est démarré. Et c'est pour continuer à aider les jeunes que Christophe retourne au lycée pour leur parler de course et de sécurité routière. Ça vous plairait d'aller à Carole un jour. Alors que sur la route, c'est tout l'inverse. Faut que tu fasses attention à tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une vigilance de tout le temps. On va essayer de refaire ce qu'on Il propose même d'accueillir des stagiaires au sein de son écurie. Et ceux qui ont envie de le faire pourront faire un stage chez nous, à l'atelier, d'une semaine. Et vous allez surtout voir la méthode de travail pour préparer une course. Les courses sont préparées ici, tout près de Poitiers, où trois personnes travaillent à temps plein avec Christophe et sa femme. Plus Anthony, un stagiaire qui était encore à l'école une semaine avant, à qui il vient annoncer qu'il sera dans les stands à Magny-Cours. On s'est arrangé avec l'école, on a dit qu'il y avait peut-être une chance à t'offrir en t'emmenant au bol, donc en fait on va t'emmener au bol. Donc voilà. Donc tout à l'heure j'ai appris que je faisais le bol d'or avec eux, donc c'est-à-dire une semaine non-stop là-haut. Donc c'est que du bonheur, quoi. C'est super. Et oui, il est comme ça, Christophe. Il fonce tête dans la bulle et fait entièrement confiance à son équipe composée de 5 salariés et une vingtaine de bénévoles. C'est la seule écurie semi-privée aujourd'hui à avoir réussi à décrocher la couronne mondiale en endurance et remporter les 24 heures du Mans. Quand on arrive à gagner les 24 heures du Mans, là c'est top. Avec un palmarès aussi étonnant pour une petite structure face aux usines, il leur reste encore à décrocher une victoire qui leur tient à cœur, le bol d'or. On veut gagner la course, les pilotes aussi, donc on leur dit comme ils le sentent. Le GMT, c'est une écurie de course, mais c'est aussi une famille, une bande d'amis. C'est vrai que c'est une équipe qui est très soudée, qui a beaucoup de bénévoles, qui suit la course depuis des années, que Christophe a réussi à former autour de lui. C'est peut-être cette bonne entente qui fait qu'on a réussi à être champion du monde l'année dernière. Dès le départ, la course s'annonce très serrée entre le géant Suzuki et le challenger Yamaha. Malgré l'erreur d'un pilote français qui aurait pu coûter très cher à la moto du team GMT 94 juste derrière. Les tours défilent, les ravitaillements s'enchaînent, toute l'équipe est au travail, même Anthony le stagiaire. Ça s'est bien passé le premier ravitaillement? Ouais, ça a été, ouais. Ouais, tout est bien coordonné, tout nickel. Après 24 heures de course et une belle bagarre, Christophe Guyot et son équipe réussissent à décrocher une deuxième place bien méritée. Certes, ce n'est pas la victoire tant attendue, mais une chose est sûre, c'est que Christophe prépare déjà sa revanche pour l'année prochaine et s'offre un peu de détente avec sa deuxième passion, la musique.